Qu'est-ce qu'il y a maintenant dans ce conteneur? Ouais, des jeux classiques, des trucs et tout. Bon, revenons à notre très très quotidien. Qu'est-ce que je vois en face? Mais qu'est-ce que je vois ça? Mais c'est pas un AUD-209 là? Hein? Non. Si. Oui, la grosse machine littéralement où c'est genre... Derrière que pouvion de baissable. T'en bats les couilles frère. Pour moi, ça sent vraiment pas bon parce que ayant vu le film, je sens vraiment que ça va être... le gros merdier. Là-bas, juste attends. Voilà, je préfère écouter ceci. Bon allez, c'est là tout c'est grave, Lego c'est grave, on est pour un épisode sur Robocop Block City après l'épisode précédent. Qui a duré beaucoup trop le temps, mais bon, ils vous passionné, t'es mal à la tête de la map, et surtout que vu que t'es Robocop où tu marches tranquillement en trottinant, littéralement, faut pas venir au coup de pleurnicher, mais bon, en tout cas, là, je suis Robocop, et t'en dis retourner, on a pas de l'œuvre autour des rues. Bon, allez, on y va. Ben, je sais vraiment, ça sent pas bon le roussi, hein. Bon, pas du tout, mais bon, allez, on y retourne, et voyons voir bah, ce qui va se passer, hein. Mais vraiment, pour moi, c'est... Ça sent pas bon le roussi, hein, quand t'as un ED-209. Mais bon, au moins, je peux dire, t'as la brigade qui est là. Alors, attends quand même... Ouais, c'est bon. Je remets, je tiens pour ma miniature. Bonjour. Hey, Robo. Oups. Non, attends. Laisse-moi garder ceci. Le petit pistolet est là, et... attends. Bon, je prendrais bien un petit coup. Comme ça, merci beaucoup. Et... Non, ça ira. Fusil d'assaut. Non, pas la peine. Ah, monsieur, comment allez-vous? Good, you're here. We're standing our ground. The bikers have retreated to the yard behind that big gate. Now, let's decide on the strike team. I go on my own. No need to risk lives. OCP has supplied us with an ED-209. Maybe you could make use of it. Even if it is just for cover. Robocop, can I have a moment of your time? Can you leave him alone, lady? You caused him enough trouble already. Hey, I just want the people to know what's going on in their city. Can't say she isn't good at what she does. She got here before us. Anyway, it's up to you. If you need a bit of time to speak with her or wrap up anything else around here, it's not a problem. Those bikers aren't going anywhere. But if you're ready to go, ED-209 is here for your support. Just say the word. Même si tu pourrais y aller, le sommet est là pour te soutenir, t'as qu'à mon ordre latine. I need more time. No worries. We got him boxed in. Patiente, ok, mais... Putain. Le ED-209, hein. C'est putain de grosse machine, hein. Alors j'aurais pu dire comment tu le fais maintenant pour le battre, pour le battre général, mais je sens vraiment par là qu'il va nous attirer des problèmes celui-là. Bon, allez, pas de son choix. On finit le travail et basta. Ready to get this cop killer? Their time is up. I am going in. Good luck, Murphy. C'est parti. Ah, et il vient avec nous celui-là. Alors attends, défi efficacité. Alors ennemis, plus d'ennemis que votre adversaire, vous passez dans le défi efficacité, gagnez des points d'expérience supplémentaires lors de l'évasion de Robocop. Attends une minute, tu veux dire en gros que genre c'est en gros ça défie pour savoir en fait qui fait le plus de kills. Wesh gros. En gros ça repasse un peu en mode MLG s'il le faut, mais bon. C'est parti. C'est enfin le ménage maintenant. Allez hop. Allez hop. Allez, tire.
Aïe. Vite recharge. Il y a d'autres poulets. Bon. Au moins, il est bien efficace et rude, mais... pas trop confiance. Je vais plutôt prendre celui-là. Robocop 13, 2D209, 12. Donc, ouais. Mais te mets pas en travers de ma route, par contre. Et merde, j'ai oublié de recharger, mais sauf que moi j'ai voulu trop jouer bourrin. Ok, donc littéralement. Donc là c'est vraiment genre un défi où c'est pour savoir qui fait donc le plus de kills. Hein. C'est noté. Ah, et ok, on est revenu depuis ici. Bon, très bien. Ah mais attends. C'est vrai, vu que j'ai des points, autant profiter. Attends, combat et tout... non, on va dire qu'on va mettre dans la vitalité. Merci beaucoup. Voilà. Allez, c'est parti. Voyons voir, non. Non, ok, c'est lui qui a eu le dernier coup. Et putain, j'ai perdu. Eh merde, j'ai perdu. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait alors? On fait quoi? On rentre? Ouais, on rentre. Bon, très bien. Arrêtez Spike. Ok, donc ça après. Donc après, suit, bike. Spike, alors attends. Attends. Oui! C'était juste pour le fun. On entre. Et qu'il va pas me faire chier le D209 par contre. I'm guessing you're close to catching Spike. Maybe he could lead us to Wendell. If those two struck a secret deal, no wonder Wendell ditched the punks. Anyway, be careful in there. I wouldn't be surprised if that slime had more tricks up his sleeve. Attends, ah, du soin, parfait. Non. Attention tout de même. Non, il est tout. Ok. Je me demande vraiment par contre si le flash peut servir à quelque chose là quand j'appuie sur la croix bas. Bah y'a plus qu'à voir ce que ça donne. Ah, du soin, parfait. Et oh, encore des trucs. Ah, parfait. Non, c'est bon. Alors, RAS normalement. J'ai au voilà. Et attention, on arrive dans la zone rouge. Attention, je vous ai livré une pizza. Et hop. Et pada. Et il est disparu. N'importe quoi. Je pense plutôt prendre le pompe. Le pompe, c'est mieux. Émission. Non, pas du tout. Bon, ok. Deuxième coup alors. Attention.
Il manquait les personnes. Ils étaient derrière mon dos. Attends. Toi. Voilà. Recharge. Aïe. Ouch. Attends. À moi. Parfait. J'ai eu des mini... Enfin, j'ai vu du soin. C'est... Oh, attends. Mais ça, j'ai vu un truc. C'est Banzai, ça. Ce serait pas un truc, je peux dire, normalement, c'est une sorte d'arène finale, un truc du genre. Je sens que je vais bien crever, hein. Bon, allez, petite recharge. Je dis que sinon je descends. Tout de même. Un petit coup de soin. Je crois que je vais plutôt prendre la mitraillette. Hein. La mitraillette c'est mieux. Et donc normalement c'est bon, c'est à fond. Il doit faire quoi? Faut que je descende. À mon avis, il faut que je descende par ce trou. Pas trop choix. Atterrissage tout en douceur. Alors hop, des trucs. Et où? Un coffre. Un coffre. Parfait. Et des trucs. Attends quand même. Non, pas assez. Pas assez. Non, rien du tout. On vérifie. Et attention. Ça recharge. Attention. It can't end like this. On peut discuter. Tiens, encore un mot. Murphy, you got the cop killer. You decided to trespass on our turf. And that shit doesn't fly with us. What's that noise? Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. Stand back. I'll do one better, cop. I'm out of here. You now have 5 seconds to comply. 4, I said three, everything is two, under control. 1, Ed, I stand am now there. Authorized to use physical force. Alors ça, c'est ce qui a totalement dans le film. J'avoue, c'est assez violent, mais bon, quand même, ils ont rajouté là-dedans, dans cette ref. Et donc, du coup, on est parti pour le match final, pour le ED209. Comment le faire pour le battre, alors, ce con? Alors, je crois même que normalement, ce qu'on m'a dit, le moyen pour essayer de faire descendre sa barre de vie... C'est tiré à l'intérieur de lui, mais attention. Vite du soin. Et plus rien, vite. Oh, ouh, ça vite. Tiens. T'es où? Ok, il est là. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Blair. Ok, je vois. Vite, hop. Ah, tu vas mourir. Vite, recharge. Ah, il fait trop mal, nom de Dieu. Tiens, mange un peu ça. Ah, vite, cours. Mets-toi à l'abri. Vite, à l'abri. Ouais, du soin. Non, c'est des trucs de bière, ça. Je vais mourir. Enfin, c'est plutôt moi qui vais mourir. Vite. Sauf. Réfléchis. Y'a plus de mine. Ouais, plus de munitions. Réfléchis. Bah non, j'ai beau aller tirer dessus, ça marchera pas. Vite, allons de l'autre côté alors.
Allez, vas-y, coupe pour ton cul, coupe petit robot. Allez, des soins. Vite, recharge, voilà. Tu fous de ma gueule, putain de con. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Il est bientôt mort, bientôt mort. Grosse poubelle. Ta gueule. Non, ça va rien marcher du tout. Oh putain, y'en a plus. Sauf. Ouch. Et je suis défoncé, nom de Dieu. Hop. Cache-toi derrière la camionnette. Sauf un coup. Ok, bien relou, putain. Hein. Attends, je vais essayer. T'as bien autre chose. Ow. Non, recharge. Ah mais il est chiant hein. Non, c'est la camionnette la plus dure que j'aurais vue de ma vie hein. Attends. On attend qu'il se vide. Et dès qu'il se calme, on pourra lui tirer dessus. C'est bon. Non, il a combien de missions là? Bon, mais pas ton choix. Autant foncer dans le tas, hein. Recharge. Temporise. Temporise. Non, il est tout. Non, faut vraiment que dalle. Temporise. Va pas trop loin non plus. Allez. Here. Ed 209 malfunctioned. Is he still alive? I am afraid not. OCP sent us a malfunctioning unit. I bet they did that on purpose. And what about the other cop killer? Where did Spike go? Wherever he went, justice will find him. Eh ben la vache, on l'a bien dézagué, hein. Et ok, on est à l'hôpital. Le Gibson Memorial Hospital. 20 secondes pour obéir. Terminer avec un territoire des... La quête, tout ça, de... Pas mal. Quand même. Là, franchement, pour le battre là, mais il faut... Faut être prêt, mais surtout, il faut limite foncer dans le tas. Hein. Foncer dans le tas. Attends quand même, juste que je regarde. Bon, donc là, on est dans un hôpital. Ok, très bien. Du coup, c'est quoi le truc? On va parler avec Lewis. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, oh, second floor. Take the elevator. Ok. Par contre, j'en ai pensé, mais par contre, le ED209, par contre, il a fait certes un bruit de lion, mais par contre, quand il meurt, par contre, il a fait un bruit de cochon. Ce porc est même pas un verra, c'est rien qu'une truie. De plus, c'est pas un cochon, c'est une truie. Mais bon, au moins, on l'a battu, hein. Jamais faire confiance à la machine, sinon c'est elle qui va te bullier, hein. Enfin, te casser la gueule, surtout. On est arrivé. Oh, attends. Ok. Très bien. Attends, c'est où? Non, c'est pas par là. En gros, c'est par ici. Tu cours tout droit dans le bloc A1 et tu tournes. Et c'est normalement
dans cette direction. Bloc A1, ok. Et donc ça doit être... Bah, ça doit être ici. Hey, Murphy, she's right here. Ah, il est là, lui. J'ai cru que c'était le commissaire, mais bon. Et donc ça, c'est la ville. Ouais, on va un peu cacher. En parlant, donc à Lewis. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them, even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Merci beaucoup. Et l'ancien a choisi la police de 2-3. Merci pour votre complète mission. Bon, alors, on va voir comment va Lewis alors. Si elle se sent un peu mieux. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help. Visiter la morgue. Ok. Du coup, c'est quoi? Kit. Don't you worry about her. Ouais. Du coup, on va par là. Et donc, du coup, là, donc, c'est... on va sortir donc de l'hôpital et avoir donc ce que c'est la morgue. Appeler l'ascenseur. Et on descend. Au moins un. Mais attends. Mais c'est vrai. Alex Murphy, il avait un cas similaire normalement. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Très bien. Et c'est par là. Et la morgue se trouve en bas. Bonjour, monsieur. Avez-vous examiné le corps en question? J'ai des questions à faire. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you are preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Merci beaucoup de donner ces informations. Passez une bonne journée. Ok, alors attends. C'est quoi ceci? Pourquoi des cerveaux? Ouais, bon appétit. Hein. Du coup, il n'y a plus qu'à remonter alors. Putain, j'ai le nez qui chatouille. Oh Jésus! Heureusement, j'ai tourné dans ma main, mais bon, faudra pas que je passe un peu d'alcool dessus pour nettoyer toute cette crasse. Et donc, du coup, on monte. Enfin, monter d'un cran. Parlons un peu avec la sécurité alors.
finally. I've been calling you guys for the past 2 days. Je fais juste un petit check, c'est pour vérifier. Alors, Russ. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Ok, bon, très bien. Du coup, c'est on quitte le bâtiment et on va voir d'où c'est donc le truc de ce... de la morgue. Allez, on quitte. Voulez-vous quitter le secteur? Bah, oui. Et du coup, c'est quoi? On retourne au commissariat ou on passe direct à la morgue? Grosse question. Ah, si. On retourne quand même au commissariat. Donc, ok. Et que je lui dis qu'il faudra faire un rapport, hein. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. But between you and me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Ok, et donc du coup, évaluation, ok, bon moi des trucs, sauvetage des otages, alors aucune idée, alors je sais pas si on avait, mais je suis rendu passer à côté. Ouais, bon malheureusement en gros, tous les coffres OCPT volés ont été localisés, bon je suis obligé de relouper un sans faire exprès, alors différents portés contre le ED de son vol, alors mon nom, alors otage drogué sauvé, aucune idée, alors preuve d'infraction rassemblée, bon voilà on a gagné des points. Et donc du coup, et j'ai eu un B, parce que B c'est bien. Ouais. Bah si, un B c'est bien. En plus là c'est carrément, je pourrais montrer mon pouce si je voulais. Au moins c'est bon. Et parfait. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Attends, et donc là t'as deux points principaux. T'as autre chose des moteurs. Aux trousses des moteurs. Ah, t'as deux coups particuliers. Eh ben, dis donc, hein. On l'a démonté, ce gros bousin. Hein. Et on a gagné une carte avec. Et j'ai deux points de compétence. Eh ben, c'est bien, ça. Mais c'est trop bien. Bon, attends, quand même. On va voir, c'est quoi, alors, donc, la suite, je peux dire. Ah, grosse réunion, par contre. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that. Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. C'est vrai que c'est un coco là, c'est carrément, c'est tu vas interroger un prisonnier très précis en question pour pour carrément qu'il lui donne des informations. Ah, et là, c'est les douches. Très bien. Alors quand même, attends. C'est clair que normalement je pourrais totalement descendre en bas, mais d'abord, ouais. Je vais carrément plus profiter de descendre en bas, mais d'abord, bon en fait je pouvais couper par là, du coup.
On descend ici pour interroger un prisonnier. Mais you have a minute? First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking right. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Maybe later. Sure thing. I'll wait at the range. Au moins, tu passes en train. Par contre, je vais plutôt m'arrêter. Bah tiens, je vais m'arrêter ici devant ce gars. Devant ce gars. Et donc, du coup, tant que j'y suis. Vu que j'ai pas en 2 points de compétences, on va pouvoir les améliorer dans vitalité. Un ici et un là. Et voilà. Comme ça, c'est bon. Parfait. Attends. Non. Bon, RS. Très bien. Parfait. Bon, oui. C'est la fin de cet épisode donc sur Robocop Rogue City. Like, comment, pas là, je me toque les cloches sans utiliser TikTok. Donc, du coup, qu'on reprendra. On va interroger un des prisonniers. Bah, tiens, qui est là. C'est lui, d'ailleurs, qui nous a donné, je crois, un coup de main et qui a voulu savoir concernant le sergent Brig. Le sergent Brig. Et du coup, bah, je lui dis que. On va voir un peu que ça se trafique, je peux te dire, à la morgue. À la morgue. Bon, allez, tchuss!